Bah oui, je sais pas. De quoi. Bonsoir Hitbox. Regardez Eric manger en gros plan là-haut. Dis bonsoir à Hitbox, voyons. Non, car je ne parle pas la bouche pleine. Ah si, du coup j'ai parlé la bouche pleine. Bien bonsoir Hitbox. Ça fait bizarre de parler face caméra pour le coup et bah très content d'être là ce soir. Ça fait un petit moment que j'étais pas revenu. Ça fait trop, je fais du bruit pour toi alors que pas du tout. Non non, ça fait genre tu me montres des trucs genre ah, ta gueule et tout. Très drôle, Maxime. Salut Neko. Salut tout le monde, hein, tout simplement. Bonsoir les PD, dit Slayers 47. Bobinet. Ça fait trop Bobinet, c'est genre moi. Et le grand tentaculeux, c'est moi aussi. Donc tu m'as dit deux fois bonjour. Ou si tu m'as dit deux fois bonjour. Ah, t'es sur le live, petit coquin. Non. Ah, après, on s'étonne qu'il n'y ait plus. Et là, c'est le live, il coupe et tout. Hein. Oh là là! Salut Vin Minato. Eric est tout beau, il a été chez le toiletteur toutou. N'est-ce pas? On mange McDo. Enfin, moi je mange McDo light quand même. que 200 calories. Ouais. Non, parce que attends. C'est par 100 grammes un nugget. Ah, oh, j'ai pas commencé. Attends, je veux voir. Et à chaque fois, t'en voles en plus. Il fait juste ça pour regarder, genre, il y avait combien de calories, et en fait, après, tu reprends le truc, et il n'y a plus de frites, il n'y a plus de nuggets, ça plus rien. Donc, c'est tout ton truc de neuf, hein, fait 400 calories. Donc, en gros. Voilà, il n'y a plus rien, super. En gros, ça rend les nuggets, putain de merde. J'ai à peu près 150 calories, plus les 200, non, ça passe. Alors, qui fera le démineur et qui lira le manuel? Je serai le démineur, il lira le manuel, ça va être plutôt cool. J'ai pris une salade au McDo parce que, tout simplement. Il est malade, il a une grande. Doit perdre du poids. Une grande annonce à vous dire. Il a plus que 2 ans à vivre. C'est à peu près ça. Non mais voilà. Fais gaffe, il y a un chauve qui mange un burger à ta droite. Bonjour. Alors ce que vous faites d'ailleurs. Non mais commander live chez McDo c'est carrément possible et leur salade est vraiment bonne en fait. Sinon je n'irais tout simplement juste pas. Mais voilà. Et j'adore les nuggets. Donc 4 nuggets, une salade. C'est un repas équilibré, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Je pèse combien? Je pèse à l'heure actuelle 102 kilos. Et oui, le Cun 74, c'est pour ça, le triste. C'est pour ça que tu as plus de cheveux. Plus de cheveux, Eric. Alors, mettez un N, sinon ça veut dire que tu as plus de cheveux. Ah merde! On en a parlé 3 heures auparavant. Ça doit être la première fois que j'apprécie quelqu'un que quelqu'un me donne faim. Bah voilà. Et donc ouais, comme je disais, je suis très content d'être là parce que ça fait un petit moment que j'avais pas fait un live. Et en plus, ce jeu a l'air vraiment excellent. Ouais, on a joué. Alors, je précise, on a fait juste une partie test en fait pour voir si c'était gérable sans connaître le jeu. Et c'est gérable. Voilà. Ça vous dérange pas de manger devant nous? Non, ça nous arrange. En disant je veux plus Eric, ça laisse une ambiguïté, effectivement. Mais écoute, tonton Béru, je pense qu'il est temps de perdre du poids. C'est ma résolution de l'année. J'ai déjà perdu 5 kilos. La manière dont tu le dis est trop bien. Depuis j'ai rien dit, hein. Merde, cette question m'a fait rire. C'est qui Eric par rapport à toi? Je suis ton. Je ne t'avais vraiment pas connu. C'est un ami. Et je dirais que. Quoi?
J'ai plus un ami. Non, c'est Eric. Eric qui participe énormément à l'écriture, à la production et au tournage en général. Donc voilà, c'est Eric. C'est lui. Le petit bonhomme. Tout à fait. Moi je suis trop maigre, il faut que je prenne du poids. Bah ouais, mais c'est bien, hein, des fois. C'est bien de devoir gagner du poids. Hein, genre, je crois que c'est Matt qui devait gagner du poids il n'y a pas très longtemps. Ouais. Mais en même temps, c'est normal, des fois. Chacun a sa. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Eh oui, je suis dans la même pièce que Maxime. Mais, ouais. Toujours l'oublier! Mais toi, c'est bien possible que t'arrives jusque-là. Non, ça dépend de la génétique. Ce que je veux dire, c'est que votre corpulence. C'est un effet spécial de merde, tu sais! Ouais, c'est quelqu'un d'autre qui fait ça, c'est ça? Parce que je viens de le voir en décalé, du coup, ça me fait rire. Du coup, oui, je précise que. Quand? Tu as pas compris quand Maxime a pris en main les nuggets de Bob. D'accord. En gros, votre génétique, elle sera sympa ou pas. La mienne, elle est plutôt sympa parce que je perds assez vite quand même. Mais par contre, je prends super vite aussi. Moi, la mienne, elle est sympa, sauf pour les jeux. Prends pas de poids, parce qu'en vrai, je mange quand même pas super équilibré. Enfin, ça va quand même. Non, On mais sinon, t'appelle ouais. Porky Pork, hein, maintenant. Porc. Porky Pork. T'as failli tomber, c'est ça? Porky Pork. Oui, voilà. Après, perdre du poids, Ah merde! c'est comme ça. Hein, Richard du jeu qui est. Est-ce que c'est ce... ouais, c'est lunettes, celui qui a des lunettes avec les cheveux, mais il est un peu, je suis un peu plus basané que lui quand même, je crois. Et du Moi, je coup, bouge pas, je bonsoir. reste gros. Bonsoir, ceux qui Bah, arrivent. en vrai, la meilleure technique pour maigrir, c'est simplement de vous limiter à 2000, enfin entre 1500 et 2000 calories par jour. Vous allez perdre naturellement votre poids. Après, ça va prendre très très longtemps, donc si vous faites pas de sport, ça va être la merde. Sont crédibles. Alors, Darth Flutter, tu as le fameux physique de maigre qu'ont quelques-uns de mes amis. Et c'est Alexis notamment. Super impressionnant, mais Matt aussi, hein. Ouais, genre on bouffe tout et tout. Ah. Ouais. Alors, ils bouffent plus que moi. Et ils sont ultra fins. Mais genre, ils doivent même faire attention à bien manger pour ne pas perdre trop de poids. C'est quand même ouf, quoi. J'ai oublié une pizza dans le four, j'ai brûlé, j'ai burlé 2000 calories. Et voilà. Et ça, mais vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez. Parce que moi, je prends du droit. Bah, la nutrition équilibrée, j'ai envie de dire, c'est pour votre santé. En vrai, ça a été prouvé que c'est l'apport calorique qui vous fait maigrir, hein. C'est pas le fait que Mais ça soit équilibré. bonsoir, mon cher Philippe. Moi, j'ai le physique d'Usul, bah voilà. À peu près la même chose. T'as pas le physique d'Usul, Non. Maxime. Eh ben, c'est vous le mec qui fait le 36-15, non? Ouais, après, ça sera le cholestérol. Il aime pas quand on lui dit Mais ça. Genre des gens calculent les calories. Bah oui. Si tu ne calcules pas tes calories, tu es destiné à prendre du poids. Je te jure, les gens ont genre une baguette de pain entière, c'est censé vous faire un repas sans rien rajouter. Juste ça, je trouve ça ouf en fait. Une baguette de pain entière, ça se rapproche des 500 calories. Je suis juste à côté de Maxime, si vous posez la question, il est juste là. Par un effet de transposition et pas d'effet spécial, peut-être qu'il viendra mettre sa main par là pour montrer que. Oh Maxime, c'est vraiment toi! Oh, cette main elle est vraiment la même taille et la même. Enfin, oui! Merde, c'est vraiment drôle. En fait, c'est une fausse main! T'es. Un carton. Ouais, t'es. En plus, c'est nul, on a juste tourné la webcam. Arrête, c'est insupportable.
Eh oui, Maxime était un robot. Maxime, tu portes un pantalon, oui. Ah merde, j'ai pas vu que t'as mis. J'avais pas vu ce que t'as mis en hashtag. C'est quoi? C'est une bombe sexuelle, un oui. Ah, vous avez vu Eric Godot. Mais comme Eric est là, il a pas de sous-vêtements. Tout à fait. Je ne porte pas de sous-vêtements. Et ouais, c'est comme ça qu'on démine chez nous. Alors, tu prends le fil rouge Pas celui-là? Ouais. 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 Pas de fil rouge, hein. C'est grand chez toi, putain. Ouais, c'est grand. Pas assez. Surtout la pièce là, en fait. Et c'est encore plus grand maintenant. Ouais. Cette pièce là fait 30 mètres carrés. Et le reste de l'appart fait 30 mètres carrés. La tristesse de la pièce, mais non, pas du tout, elle est géniale, vous avez des trucs, genre cette partie-là de, l'appartement, de l'appartement est vraiment, juste, vraiment trop trop bien, regardez, plein de mangas, des DVD, et des livres de jeux de rôle, l'espace rétro ici, je veux dire, c'est excellent, et les jeux de société au milieu à gauche, franchement, moi je trouve ça cool. Et là derrière Eric, que vous ne voyez pas spécialement, bah vas-y montre-leur. Ouais. Il y a plein de trucs. Tout à fait. Bon, là, tu vas pas filmer plus bas, par contre. Ok. Mais du coup, bah, c'est du spoil, en fait, mais voilà. C'est du spoil. Mais oui, les jeux de société. C'est rangé. Là, c'est juste que effectivement, il y a le carton du truc médiéval qu'on a déballé, mais c'est rangé. Ah bon? Un piano. Non. Ah non, c'est la fake caisse. Un piano. On commence bientôt, hein. Je finis de manger et puis on commence. Toi, tu peux bouffer en faisant ton truc, non? Tu peux bouffer en faisant ton truc. Ouais. Toi, non. Moi, non. Allez, dépêche-toi, il reste au moins 10 secondes. Attends, j'ai pas fini mon nugget. C'est moi qui ferai le désamorceur, lui, le guide. Mmh. 45 mètres carrés, ça va? Pourquoi je ne joue pas avec Kevin? Parce qu'il n'est pas dispo, je pense, et qu'il bosse. Tu fais un live camp avec Hooper. Je ne le connais pas, donc je vois pas trop l'intérêt. T'imagines un sweating pendant que tu joues à ça? Attendez juste que je termine de défuser la bombe! Et les mecs, en fait, ils arrivent. Non, mais vous devriez toucher au fil rouge et tout. Ce mec est un héros. Moi, j'ai vu mon voisin se faire souhaiter. Oui, Siriam, j'ai le statut d'auto-entrepreneur. C'était impressionnant, d'ailleurs. 20 gendarmes et douaniers dans le couloir. Maxime était là aussi, par téléphone. Ouais. C'était pas mal comme matinée. Waouh. Gendarmerie nationale, ouvrez la porte, s'il vous plaît. Et après, ils sont venus frapper chez moi. Alors. Il paraît qu'on joue au jeu de cartes. Monsieur Robinet nous a tout dit. Maxime, putain. Et toi en train de te marrer au bout du téléphone. Allez, c'est parti. Waouh, c'est parti. Ok, bah je coupe du coup le chat. Hop. Donc je ne peux plus, si jamais, interagir avec vous. C'est Maxime qui le fera en exclusivité parce qu'il a que ça. Bah de toute façon, ouais, j'ai... Pas des c'est relativement semi-passif en fait, comme jeu. C'est bien, je lance-toi. Putain, c'est bon, je commence un peu à stresser. Donc, j'explique le principe du jeu si vous ne connaissez pas. Mais qu'avez-vous fait pendant ces dernières années? Je suis pas trop fort si jamais. Bah, touche pas ton micro en fait. Non, non, j'ai pas touché. Hein. Ouais. C'est juste au cas où avant qu'on démarre. Donc voilà. Donc en gros, dans ce jeu, moi, je vais défuser des bombes. Et Eric, pendant ce temps-là, devra tout simplement m'aider parce qu'il a un manuel. Donc nous avons fait les premiers trucs, la première bombe, et donc le tutoriel est terminé. Nous allons maintenant jouer
aux premières bombes à la section numéro 2, Something Old, Something New. Donc c'est parti. Préciser, je ne vois pas l'écran de Maxime, je ne vois pas ce qu'il a. Il ne doit pas voir mon écran. Et Maxime ne voit pas, enfin ne sait pas du tout. Je peux même pas lire le tien parce qu'il y a le micro devant. Donc c'est parti. Allez, donc quand vous voyez quelque chose de familier, est-ce qu'une bombe devient réconfortante? Peu importe, cette bombe ne sera qu'à moitié réconfortante. Donc il y a 3 modules, 3 strikes et 5 minutes. C'est parti. Oui, on a pris le manuel en français. Ok, alors, il y a une sorte de Simon. De? Ah ok, Simon, ok, ok, ok. Bouge pas, j'y arrive. Jaune. Ok, alors. J'y suis. Alors, en utilisant ta loi adéquate, si tu appuies sur le bouton qui correspond à la couleur, le bouton initial va clignoter, puis un autre recommencer la séquence depuis le début. Ok, si le numéro de série convient... Alors là, il y a quoi qui clignote? Jaune. Donc t'as un flash jaune. Ouais. Donc faut que t'appuies sur vert. D'accord. Ensuite. Rouge. Rouge. Ah merde, attends. Attends. Ça a raté. Du coup, je fais vert. Ouais. Maintenant, y'a quoi comme couleur? Y'a rouge après. Donc, ben, bleu. Merde, ça a foiré. Ouais, du coup, je pensais qu'il fallait recommencer la séquence. D'accord. Bon, attends, je vais faire exploser la bombe. On l'a bien foiré. Non, en fait, je croyais qu'il fallait reproduire l'autre truc, tu vois ce que je veux dire? Ouais, d'accord. C'est un peu de la merde. Bah, on recommence. Donc voilà. C'est un nouveau truc, hein, donc. C'est parti, donc il y a toujours le truc Simon. Quelle couleur? Jaune. Ok. Vert. Quelle couleur? Rouge. Bleu. Non. Putain, mais t'es sérieux? Ouais. Quelle couleur? Jaune, rouge. Jaune et rouge? Ouais. Putain, sérieusement? Recommencer la séquence de... Il faut que je refasse la séquence ou pas? La séquence aura le bouton... En utilisant le tableau adéquat ci-dessous, appuie sur le bouton qui correspond à la couleur. Le bouton initial va clignoter, puis un autre recommencer la séquence depuis le début en utilisant les correspondances de couleur. La séquence aura une étape supplémentaire chaque fois que vous entrerez la bonne réponse jusqu'à ce que le module soit désactivé. Donc je dois faire la séquence? Non? On dirait, ouais. Ah d'accord, donc il faut juste... Mais je comprends pas pourquoi ça marche pas. Oh, attends. Merde, j'avais pas tout lu. Ah bah d'accord. Attends, si le numéro de série ne contient pas de voyelle, et si le numéro de série contient une voyelle, c'est quoi ton numéro de série? Il contient une voyelle. Ok, il contient une voyelle, donc maintenant c'est quoi que t'as? Là. C'est la même chose. Jaune? Jaune, rouge. Jaune et rouge? Ouais. T'as deux couleurs en même temps? Bah c'est une suite quoi, que c'est Simon's. Bah si t'as jaune, t'as fait combien de fautes pour l'instant? Bah là je vais exploser si c'est une faute. Donc t'as deux fautes pour l'instant. Ouais, non, ça marche pas ce que tu dis. Je pense qu'il y a quelque chose que t'as pas compris. Alors... Bon, on va commencer par un autre truc, on terminera par celui-là, hein. Et les correspondances couleurs changent quand on prend un strike. Ouais, c'est ça. Mais après, le truc, c'était bizarre, quoi. Je veux dire, je t'ai dit les bonnes. Ouais, couleurs. C'est parti, on recommence, c'est une autre bombe. Hein. Ok. Alors, il y a des fils, il y a pas de rouge, il y a pas de vert. Attends. Donc, t'en as combien de fils? 4. Ok. On est au même truc que tout à l'heure. Il y a un jaune, un blanc et deux noirs. Alors, s'il n'y a plus de fils... Est-ce qu'il y a plusieurs fils rouges? Je sais, pas de rouge, pas de vert. Ok, tu es content de dire oui ou non? Donc il n'y a pas de fils rouges. Est-ce que ton dernier fil est jaune? Oui. Il n'y a pas de rouge? Non. Coupe le premier fil. C'est bon. Ok. Il y a des symboles. Dis-moi les symboles que t'as. Alors, il y a un simple. Point d'interrogation à l'envers. Alors, bouge pas, point d'interrogation. Et le même C que tout à l'heure, le C à l'envers. Ok, point d'interrogation à l'envers et le C à l'envers. Ok. Alors, tu vas taper en premier s'il y a un E avec un E tréma à l'envers. Ouais. Raquette de tennis. Y a pas. C à l'envers. Ouais. Le symbole d'infogramme. Ouais. L'étoile. Y a pas. Donc il reste plus que le point d'interrogation à l'envers. L'espèce de X et le point d'interrogation. Ok, c'est bon. Okay. Y a un chiffre affiché. Et ensuite, il y a une liste de chiffres en dessous. Ouais, j'ai envie de... Il y a un 2 affiché en dessous, c'est marqué 2, 3, 4, 1. D'accord. T'as une petite fenêtre noire avec en gros un chiffre et 1, 3, 4, 2 par exemple. Et, Ouais. Ok. Alors, appuyez sur le bon bouton pour passer à l'étape, appuyez sur le mauvais bouton, réinitialiser la module à l'étape 1. Alors, si l'écran affiche 1, appuyez sur le bouton en deuxième position. Non.
Donc là, il affiche quoi? 2. Ok, appuyez sur le bouton en deuxième position. Ok. Ok. Donc c'était un 3. Maintenant, c'est un 3. Non, attends. Oui. Maintenant, c'est un 3. Ouais. Appuyez sur le bouton en première position. Ok. Quel chiffre? 4. Appuyez sur le bouton portant le chiffre 4. Ok. Suite. Un 4. Encore, bah attends. Appuyez sur le même bouton à la même. Appuyez sur le bouton à la même position qu'à l'étape 2. 2 secondes. L'étape 2, c'était deuxième place. C'est... L'étape 2, c'était deuxième place. Bah vas-y alors. Non. C'est revenu à 0. C'est 4. Avec un. Appuyez sur. Bah si t'as un 4, c'est. Ah mais non, la deuxième place, du coup, ça voulait dire que. Non, bon, vas-y, vas-y, dis-moi. Si l'écran affiche 4, appuyez sur le bouton en quatrième position. Ok. Et ensuite, vas-y. 4-4 du coup. Là, donc, c'est encore un 4. Un 4, ok. Même position qu'à l'étape 1. Ok. Ensuite, 4, t'as quoi 2. T'as 2. Encore un 4. Ok, encore un 4. 4 du coup. Attends, j'appuie sur le 4ème position ou le 4 Portant le chiffre 4. D'accord. 4-4-4, c'est ça pour l'instant? Ouais. Ensuite. 2. Appuyez sur le bouton en première position, du coup c'était. Si l'écran affiche 2, appuyez sur le bouton en première position. Ok, donc 1, ok, et là c'est le dernier. Et c'est quoi? 4. Appuyez sur le bouton ayant le même chiffre que l'étape 3, donc 4 encore. Le même chiffre? Oui. Mais c'était. T'es sûr que c'était 4? Ouais, ça va. C'est bon. C'est bon? Ouais. Putain, c'est de la merde le Simon, je vais le relire. Le Simon, j'ai pas compris en fait. C'est soit je fais un Simon, soit j'en fais. Alors, un. L'un des quatre boutons colorés va clignoter. T'en avais combien de boucles de trucs qui clignotaient en même temps? Un. Ok. Mais c'est comme un Simon, tu sais ce que c'est Simon? Oui, bah tu. En gros, tu. Non, un Simon, tu vois ce que c'est ou pas? Bah c'est le jeu. Oui, mais t'y as déjà joué? Non. Non, mais en vrai? Ouais. Bah regarde-moi. En gros, ça fait. Il y a 4 couleurs. Mmh. Et en gros, t'appuies sur la couleur normalement la vraie. Donc si ça fait jaune, t'appuies sur jaune. Et après, une fois que t'as appuyé sur jaune, il va te faire jaune-rouge. Donc tu feras jaune-rouge. D'accord. Et okay. Après que t'as fait ça, et ben, il fera jaune-rouge-jaune. Il va te faire jaune-rouge-jaune. Okay. Sauf que toi, okay, ce que okay. Tu me disais, c'était un seul bouton. Donc c'était okay. Pas possible en fait. Bon, c'est cool. On continue avec Double Your Money. Il y a 6 modules là. Putain. Donc il y a deux fois plus de modules, ma gueule. Ouais, ouais, ouais. Deux fois moins de temps. C'est parti, alors. Il y a des fils. Mmh, il y en a 3. Ok. Un noir et 2 silence. Jaunes. Il y a un rouge? Non. Je coupe le deuxième fil. Ok, c'est bon. Il y a un bouton... Attends. Hop. Il y a des symboles, il y en a deux trucs de symboles. Alors, le premier. Un facile, un symbole. Le premier, c'est genre un égal barré de côté. Ouais, d'accord. Un okay. Espèce de 6. Attends, c'est bon, la croix barrée, je l'ai. Un égal barré. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Une altère, en gros, à l'envers, quoi. Une altère qui. Ouais, 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 okay, ouais, ouais ça marche. Sur le côté, ouais. Putain, j'ai que ça, sérieux. Il se trouve que sur ce schéma-là. Ok. Tu vas appuyer sur le 9 à l'envers s'il est là. Enfin, sur le 6, pardon. Ouais, ouais, j'étais en train de me dire 9 à l'envers. 6, ouais. Ok. Mm. L'euro à l'envers. C'est le même truc que tout à l'heure, ouais. Le E, tréma. Ouais, ouais, c'est ça. Ok. L'altère. Ouais. Le A et le E collés, si on a un. Il y en a pas, il y a juste une espèce de trident. Bah, tu prends le chandelier. Ok. Ensuite, il y en a un autre. Alors, du coup, il y a. Même chose? C'est un corps des symboles, ouais. Okay. Y a un signe, c'est le signe alpha là avec une petite barre. Le A avec le T? Non, le symbole alpha. Le signe alpha avec la petite barre. Comme dans Half-Life, le signe d'Half-Life. Ah, c'est ok, alors bouge pas. Il y a le poulpe avec non, c'est bon, tu peux t'arrêter. D'accord. Tac tac, ok. Hop, le poulpe. Ouais, en premier? Non, attends. C'est quoi? Donne-moi un deuxième symbole. Il y a une sorte de H. Putain. La lettre H, comme si elle était scriptée, avec un petit revers en bas. Sinon, il y a une sorte de Z, enfin de ziguiguille, comme un cardiogramme. Un R qu'on aura enlevé une barre? Le R qu'on aura enlevé la première barre? Non. T'as une étoile? Non. T'as l'infogramme? Non. T'as un C avec un rond? Non. T'as la raquette de tennis? Non. Ok, t'as l'Half-Life? Ouais. T'as le C à l'envers? Non. T'as le N penché? Ouais. Ok, c'est bon, alors c'est parti. La raquette de tennis, si tu l'as? Non. Le A avec le T dedans? Non. Le symbole d'Half-Life? Oui.
Le N penché. Attends, mais quand je clique dessus ou quoi? Ouais, c'est ça, ouais. D'accord, ensuite. Donc, t'avais. Le N penché, ouais. Ouais, le quoi penché? Le N penché? Ouais, ok, après, l'espèce de sablier avec une barre à gauche. Attends, est-ce que c'est le pouple avec le bouclier? Est-ce qu'il y a trois barres? Un H avec un triangle en haut à droite. Ouais, mais non, parce qu'il y a une barre en dessous, hein, une espèce de rond en fait. Un demi-cercle en bas à droite, un triangle en haut à droite. Ouais. Clique dessus. Et c'est ça le poulpe avec un bouclier. D'accord, pas sûr. Et donc le dernier après, c'est bon. Après le dernier, ouais, c'est ça. Ok, c'est bon. Il y a 6 câbles. Ok, bouge pas. Tiens coup, putain, tiens coup. Là, ça va bientôt exploser, hein, ma gueule. Cool, hein, il reste 2 minutes. À propos des fils à la suite, va te faire enculer, je vois pas. Il y a 6 fils et il y en a un rouge, si tu veux savoir. Ah, je veux trouver le truc qui va avec. Là, il y a un H ici, les gens. À propos des molettes. Hop, Mehdi. C'est pas ça. C'est pas un labyrinthe. Si à propos rouge. Des fils à la suite. Ah, mais t'as des câbles à propos des fils compliqués. T'as des étoiles ou pas? Non. Ok, donc c'est un fil encore normal. J'arrive. Je vais crever, putain de merde. Ouais, là, je suis dans la merde. Ok. Ouais. Est-ce que t'as un fil jaune? Oui. Est-ce que ton dernier chiffre de série est impair? Quoi? T'as un fil non, jaune? Non, il est pair. Ok. Un fil jaune et est-ce que t'as un fil blanc? Ou deux fils blancs. Putain. Est-ce que t'as un fil rouge? Oui. Putain, coupe le quatrième fil. Je coupe le quatrième. C'est bon. Ok, j'ai un bouton. Le bouton jaune avec marqué detonate. Ok. Alors. Et un bouton bleu avec press si jamais. Alors. Il me reste une minute. Mais. Alors, si le bouton est bleu, donc le. Tu me dis lequel je prends. Ouais. Donc, quelle couleur ton bouton bleu? Il y en a un bleu et un jaune. T'en as deux? Oui. Putain. Vite. 50 secondes. Si le bouton est jaune, appuyez sur le bouton. Ton bouton il est jaune, ton bouton jaune est tout seul? Non, il y en a deux. Alors, il est tout seul, il n'y a rien avec, mais. Appuyez sur le bouton et. Ok, bouton jaune, maintien appuyé. Ok, ça affiche du rouge. Ok. Je fais quoi, là? Enculé, il me renvoie ailleurs! Vite, putain! Il a fait quoi? Rouge, c'est ça? Oui! Bande d'une autre couleur. Relâchez lorsque ton compte à rebours affiche un 1 à n'importe quelle position. Ok, d'accord, on va attendre un petit peu. Et le bleu, il est marqué presse dessus. C'est bon, le bleu, okay. Il y a marqué presque. Alors, le bleu, si le bouton est bleu et marqué. Il n'y a pas la board. Alors, s'il n'y a plus vite, de pile. Avec le bouton car, s'il n'y a plus de deux piles. Hold, si aucun des deux ne convient, maintenez-le enfoncé. Référez-vous à relâcher un bouton. Vas-y, maintenez-le enfoncé. On va mourir, on s'en fout. Il y a quoi dessus maintenant? Jaune. 3, relâchez 2. Lorsque le compte à rebours affiche un stack. Je peux pas. Oh non. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est que je disais. Putain. Allez, on recommence, c'est parti. C'est le même? Bah, c'est une bombe encore différente. C'est parti! Attention, il y a des câbles. Il y a combien deux. Combien deux de câbles? Il y en a quatre. Ça quatre. Part, ta gueule. Deux jaunes, deux bleus. C'est moi qui pose les questions. Il y a juste deux jaunes, deux bleus? Ouais. Putain, ça m'emmerde ça. Il y a pas de fil rouge. Il y a pas de fil rouge? Si le dernier fil est jaune. Dernier fil est jaune? Non. Il y a combien de fils bleus? Deux? Deux. Deux de chaque. S'il y a plus d'un fil jaune, coupe le dernier fil. C'est bon. Des symboles. Il y a un smiley qui tire la langue. Attends, stop. Ouais, attends. Un smiley un qui tire la langue. Attends. Un. J'en ai un. Ok, un autre truc. T'as y a le. T'as le truc paragraphe. Il y a le C dans le bon attends, sens. Attends, c'est bon, stop. C'est bon. Ah merde, t'as le C dans le bon sens. Ok, c'est bon, je l'ai. En premier, si tu l'as, le. chandelier. Non. Ok, le smiley à l'envers. Quoi? Le smiley à la con là, avec le smiley. Oui, je sais pas ce que c'est le smiley à la con. Bah, t'as dit les deux points avec un espèce de smiley avec. Bah, le smiley qui tire la langue. Ouais, c'est ça. D'accord, il est pas à l'envers. Ouais, on s'en fout. Un B avec un T dedans. Non? Non, j'ai un B. Alors. J'ai une sorte de 3 extraterrestre. Ok, direct. Alors ça c'est après. Le C. Ouais. Le paragraphe. Ouais. Le 3 extraterrestre. Ok. J'ai un autre truc de machin. J'ai un oméga. Attends, alors. L'oméga. J'ai un oméga, un chandelier, les haltères et attends. Un N alors, à l'envers. Ouais. Ok, alors t'es parti. Le 6. Non. Le E tréma. Non. Alter. Oui. AE. Non. Chandelier. Oui. N. N à l'envers. Ouais. Avec un petit truc au-dessus. Ouais. Ouais. Oméga. Ok, c'est bon. Tac. J'ai encore des câbles, j'en ai 6. Ok, stop, tais-toi maintenant.
Putain, j'aimerais trouver mon royaume pour une souris. Ok. Combien de fils, tu m'as dit ? 6. 6, ok. Est-ce que t'as un fil jaune ? Oui. Alors non. Est-ce que t'as un fil jaune et est-ce que t'as plusieurs fils blancs ? J'ai un fil blanc. Putain. Est-ce que t'as pas de fil... Est-ce que tu as un fil rouge ? Oui. Coupe le quatrième fil. Ok, c'est bon. j'ai deux boutons. J'en ai un. Oh, j'aime pas les boutons. Un bleu avec marqué Detonate, un jaune avec Detonate. C'est le même du coup, Detonate, je suppose. S'il y a plus d'une pile sur la bombe et que le bouton est marqué Detonate, appuyez sur le bouton et relâche. Alors, est-ce que t'as plusieurs piles sur la bombe ? Y'a qu'une seule pile. Ça marche pas. Il te reste quoi comme truc ? Juste ça ? Deux boutons. Un bouton bleu. T'as combien de temps ? Et un bouton. Et il me reste 2 minutes 20. Ok, on est peinard alors. Non, alors, on n'est pas peinard, mec. Si le bouton est bleu et est marqué aborde, appuyez sur le bouton. Non. S'il y a plus d'une pile sur la bombe et que le bouton est marqué detonate, appuyez sur le. Il y a plus d'une pile sur la bombe ? Il y a une seule pile. Ok. Si le bouton est blanc, donc non. S'il y a plus de deux piles, il y a plus de deux piles ? Il y a une seule pile, bordel de merde. Si le bouton est jaune, si le bouton est rouge, si aucun des deux, maintenez-le enfoncé. Ok, maintiens-le enfoncé. Maintiens-le enfoncé. Lequel ? Celui que tu veux, je m'en branle. Qu'est-ce qu'il y a ? Jaune. C'est un bouton jaune et il y a du jaune. Relâchez lorsque le compte à rebours affiche un 5. Ok, c'est bon. Il y a le bleu maintenant ? C'est le même, non ? Bah, c'est le même, vas-y. C'est du blanc. Putain, merde. Bon. Relâchez lorsque le compte à rebours affiche 1. C'est bon. On a 34, ouais, ça. C'est trop bien. Bon, alors je précise que c'est nos premières parties et il a absolument pas potassé le truc, c'est la volonté que j'ai eue, c'est que, voilà, on teste le jeu pour de mais vrai. Mais on stresse comme des cons. On crève comme des cons, certes. On stresse comme des cons. Ouais, et c'est ça qui est drôle, sinon ça n'a pas d'intérêt. S'il potasse, bah, ça aurait été hyper facile, je pense. Donc c'est parti, one step up. 4 modules, 3 strikes. Bon, ça a l'air bien. Ouais, super. Je veux pas le Simon. Ah, c'est vrai que s'il y a le Simon, on est dans la merde. Hein. Oui, Pipix. Alors, il y a des fils, 4 fils. Ok, stop. Quatre pas de rouge. S'il y a pas de rouge, ok. Pas de bleu. Dernier fil est jaune ? Non. Est-ce qu'il y a exactement un fil bleu ? Non. Est-ce qu'il y a. Redis-moi les jaunes ? Il y a un jaune. Le deuxième fil. C'est bon. Il y a le truc des chiffres là. Le 1, 2, 3, machin, 2, 3, bits. Ok. Alors. C'est 1 qui est affiché. Ok. Alors. C'est le memory. Alors. Appuie sur le bouton en deuxième position. D'accord. Donc c'est un 2 pour le 1. Ensuite. 3. Ok. Première position. 1. Pour le 3. 4. Tu retiens les trucs, hein, parce que moi je... J'essaie, je peux pas. Faudrait que tu me prennes un stylo, quoi. Après, t'as quoi, là ? 4, je t'ai dit. Étape 3, donc 4. 4, du coup. Le quatrième bouton ou le chiffre 4 ? Chiffre 4. Si je te dis 4, c'est le chiffre. Ok. Si je te dis position, c'est position. Numéro 3. À la même position qu'à l'étape 2. Position ? Ouais. Putain de ta mère, faut un stylo. 4. On repart au début, c'est ça ? Oui. 4ème position. C'était un 4. 4. Même position qu'étape 1. Donc Ouais. Ok. Donc 4-4, ok. Ensuite 3. Appuyez sur le bouton en 3ème position. 2, ok. 4-4-2, ok. 3. Étape 2, même position qu'à l'étape 2, 4-4, donc 4. 4-4-2 quoi ? 2. 4-4-2, non, 4-4-2-4. Oui. 4-4-2-4, ensuite. Chiffre, moi. Et là, c'est un 4 encore. Même position qu'à l'étape 3, donc chiffre 2. 4-4-2. Donc 2. Le chiffre 2 ? Oui, non. 2. En position. Appuyez sur le bouton ayant le même chiffre qu'à l'étape 3, donc 2. Appuyez sur le chiffre 2. D'accord. C'est bon. Ensuite, alors là, j'ai un petit truc avec des triangles et des ronds. Vert. C'est du morse ou pas ? C'est du morse ? Je peux déplacer une sorte de petit triangle. Alors, trouvez le labyrinthe dont les repères circulaires correspondent. Les démineurs doivent amener le point blanc jusqu'au triangle rouge en utilisant les boutons en forme de flèche. D'accord.
Attention, ne traversez pas les lignes. Alors, de la pyramide. C'est simple. Okay, le point blanc, il est en haut à gauche. Attends. Si on part d'en haut à gauche, il est en deux, dans la première colonne, deuxième ligne. Non mais évidemment qu'on n'est pas prêt pour la suite les gens, c'est la première fois qu'on joue. Putain, attends. Le point blanc. Vas-y redis-moi où il est le point blanc. Première colonne, deuxième ligne. Première colonne, deuxième ligne, ok. Ok, donc en fait il est. Ok, donc dans deuxième ligne, première colonne, ça marche. Qu'est-ce que tu veux savoir, dis-moi. Donc avance de 1 en haut. Ok. 3 à droite. Putain, me dis pas 3 à droite si c'est 2 à droite. Fallait aller en 3ème position quoi. Bah oui, bah non, ça veut dire okay. Avance de 2. 1 en haut. Bah attends, je suis à la même position. T'es première colonne, deuxième ligne. Bah là non, je suis 3ème colonne, première ligne. Ça a changé maintenant, c'est ça? Bah je suis au même endroit que je me suis arrêté. Tu m'as dit. Ah ok, en... ah mais ça a arrêté, ouais, d'accord. Coup... Donc t'es où maintenant? Bah 2ème, première colonne, 3ème colonne, première ligne. 1 en bas. Ouais. 1 à gauche. Ouais. 1 en bas. Ouais. 1 à droite. Ouais. 1 en bas. Ouais. 1 à droite. Ok, c'est bon. Il y a un bouton blanc marqué Detonate. On a 10 secondes. Vite. Je n'arrive même pas à aller dessus. Ok, un bouton blanc avec marqué Detonate. Ah. Trop chaud, ma gueule. Par contre, sois vraiment clair parce que quand tu me dis 3, c'est 3, c'est pas 2. On recommence. Ouais, hey, t'as pas un stylo? Attends, je vais prendre un stylo. Tiens, c'est bon. Merci. Alors, c'est parti, il y en a 5 fils. 5 fils, ok. Il y a un rouge, un jaune. Alors, ton dernier fil est noir? Non. Est-ce qu'il y a combien de fils rouges? Il y a un fil rouge. Est-ce que t'as. Combien t'as de fils jaunes? Un. Est-ce que t'as un fil noir? Deux. Coupe le premier fil. Ok, il y a le petit labyrinthe. Le bouton blanc est 4ème colonne, 4ème ligne. Putain, enculé ta mère. 4ème colonne, 4ème ligne. Ok, 1 en haut. Ok. 1 à droite. Ok. 1 en bas. Ok. 1 en bas. Ok. 1 en bas. Ok. Droite. Droite? Ouais. 1 en haut. Ok. 1 en haut. Ok. Je suis pas du tout au bon point. Mais ils ont pas le droit de me tromper comme ça. Je fais quoi là? J'en sais à foutre rien, t'es où maintenant? Bah attends, je reviens où j'étais. Ah, je peux pas. Qu'est-ce que ça fait? Bah je t'ai guidé. Quatrième mais... colonne, quatrième ligne. Le triangle, lui, il est deuxième colonne, deuxième ligne. Ok. Donc quatrième colonne, quatrième ligne pour le point. Ouais. Redis-moi le triangle. Deuxième colonne, deuxième ligne. Putain de ta mère, non je l'ai pas. Hein. On va exploser. Putain. Enfin moi je crois en faisant un bouton en forme de flèche. Redis-moi encore une fois les paramètres. Deuxième colonne, deuxième ligne. Attends, ça c'est le rond, c'est ça? Pour le triangle. Alors. Et le rond avec le point, c'est quatrième colonne, deuxième quatrième colonne, ligne. Deuxième. Et il y a un deuxième rond à la sixième colonne, quatrième ligne. Je pense que tu vas mourir, Maxime. Eh ben je sais, mais j'aimerais bien que tu me dises. Ce n'est pas très rapide, Eric. Trouver le labyrinthe dans les repères circulaires correspond. Le démineur doit amener le point blanc jusqu'au triangle rouge en utilisant les boutons en forme de flèche. Qu'est-ce que tu comprends pas? Qu'est-ce qui va pas? Dis-moi comment je peux t'aider parce que là j'ai un peu l'impression que tu... En fait, j'en sais foutre rien. Trouver le labyrinthe dont les repères circulaires correspondent. Le démineur doit amener... T'as quoi sur... Tu vois juste quoi en fait hein? Bah moi il y a deux repères, il y a deux cercles et un triangle. Et un point blanc. D'accord, redis-moi où sont les cercles. Bah je t'ai dit, quatrième colonne, quatrième ligne pour où je suis. Et sinon, c'est sixième colonne, quatrième ligne pour l'autre cercle.
Ah bah faut venir les cercles en fait. Bah alors. Oui mais je te l'ai déjà dit, je t'ai proposé. Redis-moi le 6 machin. Redis-moi le deuxième cercle. Bah 6ème colonne, 4ème ligne. 2, 3, 4, 5, 6. 6ème colonne, 4ème ligne. Donc il est là. Ok, et là t'es où? Bah 4ème colonne, 4ème ligne. Ok, nord. Oui, quoi? Enfin va au nord. Enfin, ah mais dis-moi où. Oui. Droite. Ouais. Va jusque tout en bas. Ok. Un clic à droite. Ouais. Deux clics en haut. Ouais. Et là logiquement tu y es quoi? Non, là je suis sur l'autre cercle. Putain. On va exploser Eric. Ouais. C'est fort hein. J'essaie d'y aller tout seul hein. C'est pas là. Putain. Allez, on va essayer, il y aura toujours le même module, hein, prépare-toi. On va commencer par celui-là. Eh bien, s'il y est. C'est parti. Ok, donc moi, d'accord, je suis... Attends, dis-moi où sont les cercles. Le cercle est deuxième colonne, attends. Quatrième ligne. Stop. Deuxième colonne, quatrième ligne, j'en ai un, ok. Est-ce que celui, est-ce que l'autre il se trouve en 5. 5 et 2 ? 5, 2, ouais. Ok. Et il est où ce putain de triangle ? Il est juste au-dessus du deuxième point. Ah, ok. Et toi t'es où ? Moi je suis tout en bas, alors je suis troisième colonne, cinquième ligne. Troisième colonne, cinquième. Alors oui, il aurait dû imprimer, mais il n'a pas pu, malheureusement, en haut. Ok, une fois. À droite. Ok. En haut. Ouais. Droite, 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 jusqu'au bout quoi. 1, 2, ouais. En haut. Ouais. À gauche. Ouais. En bien. Haut. Ok, c'est bon. Ensuite, il y a les symboles. Donc il y a infogramme, un espèce de miroir, une stop, étoile et un... La raquette de tennis, tu veux dire? Ouais, si tu veux, miroir, c'est pareil. Alors, miroir et infogramme, est-ce que je les ai les mêmes? Ok, est-ce et que t'as une étoile? Ok, oui. Bah, alors c'était, je pense que ça va être le bon. Vas-y. Le symbole de E-tréma. Ouais. Raquette de tennis. Ouais. C'est inversé. Y'a pas. Infogramme. Ouais. Étoile. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ok, y'a les chiffres à la con là. Le memory deux. Là. Au deuxième position, bit, machin. Ouais, ouais. Ok, alors. T'as deux. Ouais. Deuxième position. Ok, c'est le chiffre 2. Ok, 2. Ok, je t'écoute. 2. 1. Chiffre 4. 4, il était en 4ème position. Donc 2 et 4, ok. 3. 3ème position. C'est le chiffre 1. Ok. 1. Même étape que 1, donc 2. Attends, 2ème position ou 2ème? Non, chiffre 2. Non. C'est enculé. On part. Donc, c'est un 3. Donc troisième position. Ok, c'est le chiffre 1. Ok. 3. Le bouton en première position. C'est le chiffre 1. Ok. 2. Même chiffre qu'à l'étape 1, donc 1. Il est en première position. Le chiffre 1. 1. Le chiffre 1. Il est en troisième position. Ouais. 3. Chiffre 1. Il est en deuxième position. Vas-y. C'est bon. Il y a un gros bouton rouge avec marqué abort dessus. J'aime pas les boutons. Alors. Il y a une shit pile. Ok. Alors. Il y a plus d'une pile et que le bouton est marqué. Il y a plus d'une pile. C'est abort, c'est ça? Ouais. Abort rouge. De quoi? Il est rouge et abord. Oui, il est rouge et marqué abord. Relâchez un bouton et enfoncez. Vas-y, maintenez le bouton enfoncé. Ça affiche jaune. Chiffre 5. Qui s'affiche? Relâchez lorsque le compte à bord affiche un 5. D'accord, bah on va attendre. C'est bon. Comme ta mère. Bon, ça va. C'était dur quand même. Le labyrinthe, il est chaud quoi. Parce qu'en fait, je dois avoir les points en tête, le triangle et ton point d'arrivée. Du coup, bah, en fait, tu peux dessiner sur le truc. Non, je peux pas, j'ai des serviettes et un McFlurry. Bah, demande-moi.
Tu sais, les mecs ils se foutent dans la merde quand ils amorcent des bombes. Je peux pas avoir du papier, tu comprends ce que je te dis? J'ai pas de papier. Attends, mais c'est ma vie. C'est vrai que c'est un peu ça quoi. Ah. Allez. Bon, les mecs ils se fatiguent absolument pas à la tâche quoi. Mais je suis aveugle. Allez, je ne sais pas lire. Là c'est en 3 minutes, 3 modules, 3 strikes. C'est parti. Allez, on y croit. Salut Ecstasy. Salut tout le monde, hein, ceux qui arrivent. Allez, c'est parti. Il y a les câbles. Il y en a 6. Ok, hop. Oh, putain, il y a Simon. Oh non, ta gueule. Il y a le labyrinthe aussi. Ok. Est-ce que t'as les fils jaunes? Non. Ok. Est-ce que t'as. Ok. Fil rouge? Oui. 1. Putain, fais chier. Coupe le quatrième câble. Putain. T'as 6 fils. Oui. Est-ce qu'il a une pattern différente de l'habitude, des étoiles, des machins? Non. Ok. S'il n'y a pas. T'as des fils jaunes encore? Non. Est-ce que ton numéro de série est impair? C'est-à-dire le dernier? Si le dernier chiffre du numéro, oui, de série est impair, ouais. Oui? Oui. Troisième fil. C'est bon. Okay. Simon. Allez, c'est parti, on y croit, Simon. Ça clignote vert. Alors, ton numéro de série d'abord. Il y a une voyelle ou il n'y a pas de voyelle? Il n'y a pas de voyelle. Ok, quand il n'y a pas de voyelle. Ok, alors. Donc j'écoute. Il fait quoi vert là? Vert. Vert? Ok. Donc bah, vert. Putain. Ça marche pas très bien. On est à deux fautes. Ok, donc là il clignote vert. Oui. Donc tu fais bleu. Ok. Sauf que là je sais pas ce que je dois faire du coup. Alors, vert, rouge. Quoi? Vert, rouge. C'est un Simon Says quoi. Le deuxième c'est rouge. Donc du coup rouge, jaune. Ok. Il est bleu maintenant. Vert. Jaune. Rouge. C'est bon, ouais. C'est bon. Labyrinthe, labyrinthe, premier, 1-1. Attends, ta gueule. Premier, ça va 40 secondes mec hein. 1-1 et ensuite 1-4. Alors, donc les cercles d'abord, t'as 1-1. Mais je t'ai dit putain, 1-1. Ok, c'est bon, alors bouge pas, je vais la voir. 1-4, et ton triangle il est où? Tout en haut à droite. Tout en haut à droite, et toi t'es où? Mais, ah, le triangle non, il est. Merde, je me suis foiré, bah c'est mort. C'est tombé, le triangle il est deuxième colonne, sixième. Non, cinquième place. Deuxième colonne? Ligne. Deuxième colonne, cinquième place. T'es mort? Ah oui, c'est. Merde, je l'avais mec! T'es vraiment une merde. Bon, au moins on a fait le Simon, c'est déjà ça. Moi j'ai juste dit les couleurs, fallait que tu te démerdes. Le Simon, ça y est, j'ai compris maintenant. Symbole. Ok. Disons moi deux. Fourche, alter, AE. Quand tu dis fourche, c'est le trident là? C'est fourche. C'est. Oui, trident, pareil. Trident. Ah, putain, quand tu me dis fourche, c'est un trident, oui, enculé. Et quoi d'autre? Mais je t'ai dit alter, AE et E à l'envers avec des points là. Ok, alors 6 en premier si tu l'as. Non. Le E à l'envers. Oui. Alter. Oui. AE. Oui. Trident. Ok. Ok. Les chiffres, allez hop. Le memory 4. Là. Hop. Tac. Mets 3 plombs à chercher. Hop. Ok, alors. Le bouton en 4ème position. 3. 3. Le bouton en première position. 3. 4. Le chiffre 4. Deuxième position. On fout. 2. Le bouton en première position. 3. Et le dernier. 3. Le même chiffre qu'à l'étape 4. 3. Le chiffre 3. Ok, c'est bon. Il y a un labyrinthe. 1, 1. Attends. Et 1-4. Ok, ah, c'est le même que la dernière fois. Ok, il est où ton triangle? Triangle est dernière colonne, avant-dernière ligne. Ok, ça marche, toi t'es où? Moi je suis juste à côté du deuxième cercle, donc je suis en 2-4. Attends, le deuxième cercle c'est du bas? Ouais, 2-4. Et toi, c'est quoi 2-4? Colonne 2? Oui, 2-4. Ok, va à l'extrême droite. Ok. À fond, à fond, à fond, à fond. Ouais. Et chope-le en bas. C'est drôle parce que quand on se tape dans la main, on est en tête dans la lune, enfin voilà quoi.
Putain. C'était vachement bien, comment rire ton dessin. Je vais aller aux toilettes parce que j'ai très envie de pipi. Mais je suis content, on a terminé le premier chapitre. On passe au deuxième chapitre qui s'appelle donc... Il y en a plus payé ou pas? Ouais. Moderate. Ok, moi j'affiche le... Ouh, ben parle un peu au chat. Moi j'affiche le chat du coup. C'est un jeu fort fun. Ouais, mais c'est stressant. Mais laisse-moi t'enculer. Je m'en fous de ce que tu me dis. Oh mon dieu, du coup je vais sur le chat et j'ai de la pub. Mais c'est quoi cette pub du coup? D'âge 2 en 1, futuriste. Du coup, d'âge 2 en 1, futuriste. Avec une touche de Léna. Si propre et frais. La mère, elle a l'air contente. Rien du tout, je faisais rien du tout, Maxime. Rien du tout. Non, ouais, franchement, je suis vraiment content de pouvoir revenir du coup ce week-end là. Parce que Maxime voulait qu'on fasse ce jeu depuis un petit moment. Il me dit c'est un soir, on va se le faire à distance. Et du coup, bah, on peut le faire en direct. Et franchement, il est vraiment super bien. Moi, je suis un petit peu stressé, mais il est vraiment cool. J'avais vu, je crois, une vidéo où, en fait, il jouait à 4, je crois. Donc c'était assez le bordel. Mais en tout cas, ouais, non, je suis vachement content. Tout à fait, Frixy, je crois que j'ai vu des personnes y jouer à plusieurs et c'est fun. Est-ce qu'on va alterner? Je ne sais pas. Après, je pense qu'on aura, ce sera plus facile en fait, dans le sens où bah, du coup j'aurai lu le manuel et où Maxime aura fait les déminages. Du coup, je pense que ce sera plus facile pour nous. Donc je pense pas forcément qu'on va changer de position. Oui, tout à fait, Jax, hein, bienvenue à tous ceux qui arrivent. C'est un plaisir. Non, un petit jeu atypique, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait un jeu comme ça, indé particulier. Et du coup, c'est plutôt sympa. Est-ce que du coup ça vous plaît? Est-ce que c'est pas trop chiant ou bizarre à regarder? J'espère que non. Mais oui, je peux faire un coucou à l'autre caméra, mais je ne sais pas si. Non, je suis vraiment trop loin. Je crois. Non, on n'aurait pas préféré quelqu'un d'autre, Maxime, sinon c'est pas rigolo. Vous voyez que du coup Maxime a une petite vessie, du coup ça doit s'absenter maintenant régulièrement depuis qu'il mange des salades, souvent en toilette. Ouais, non, c'est toi, c'est toi. T'as regardé tout à l'heure, t'as dit quoi, t'as fait quoi, c'était quoi la vidéo que t'as lancée? C'était une pub. Pour Dash, je crois. Putain, il joue des pubs dans la tête. Où est-ce qu'on en est, les enfants? Où est-ce qu'on en est? Bon, t'es prêt? Ouais, j'éteins le live. Je quitte le chat. Alors, les informations peuvent être obscurcies par des trucs qui prennent du temps à décoder dans le monde de la bombe fumée, c'est pas bien. Donc 5 minutes, 3 modules. Allez, c'est parti. Message caché, ça s'appelle. Alors, oh putain de sa mère. Donc il y a 6 câbles. Il n'y a pas de rouge. Ok, on est sur des câbles, c'est déjà ça. Mm. Blanc, okay. Si tu veux, je te dis blanc, jaune, blanc, bleu. Il y a un fil jaune. Oui. Est-ce que ton dernier chiffre de série est impair? Oui. Coupe le troisième fil. Je te déteste, Eric. S'il n'y a pas de fil jaune. Il y a un fil jaune. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a plus d'un fil blanc? Oui. Coupe le quatrième fil. C'est bon. Fais pas ce genre de truc, c'est vraiment super chiant. Simon Says. Oh, attends, bleu. En Simon ouais. Voyelle ou pas voyelle dans le numéro de série? Pas de voyelle. Pas de voyelle, ok. Bleu donc tu dis? Ouais. On a fait déjà une erreur, c'est ça? Oui. Ok, donc bleu. Je dois cliquer sur bleu? Oui. Ok. Bleu. Bah bleu. Ok. Rouge. Rouge. C'est bon. Maintenant, il y a un truc avec des lettres. Il y a 5 lettres. Et c'est marqué IKCJJ. Et je peux changer des lettres et... C'est du morse ou pas? Non. Quoi Mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5.
ouais, Gigi. Ça, ouais. Alors, ok, les boutons au-dessus et au-dessous des lettres permettent de passer en revue toutes les possibilités pour cette position. Une seule et unique combinaison des lettres disponible correspondra à un mot de passe dans le tableau ci-dessous. Appuyez sur le Gigi. Mais j'en ai rien à foutre, moi. Ça me rassure. Non mais t'es sérieux? Les boutons au-dessus et au-dessous des lettres permettent de passer en revue toutes les possibilités pour cette position. Bah, bah bouge les lettres à gauche. Quoi? Bouge la lettre de gauche et change la position. F. Ouais bah vas-y change encore. W. Ok. F, W, ouais, continue. J. Ouais continue. M. Continue. D. Oui. I. Change la deuxième pour voir qu'on rigole un peu. K. D. V. I. Putain. X. Parce qu'en gros, on doit trouver un mot là en fait. J. K. Attends, les boutons au-dessus permettent de passer en revue toutes les possibilités pour cette position. Une seule et unique combinaison des lettres disponibles correspondra à un mot dans le tableau ci-dessous. Ok. On reprend depuis le début ta première lettre. I. T'as juste le I? Bah non, j'en ai plein. J'ai I, F, W. Attends, stop. I, F, W. Ok, on va s'arrêter sur W. Deuxième lettre. K, D, non. W. Non, 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 c'est bon, on repart sur la première, change la première. J. Ok, stop. Non, pas de J, change. La première. M. N. M. M. Change la première lettre à nouveau. D. D, alors. C'est de la merde. Je peux faire Dick. Non, change de première lettre. I. I. Change la première lettre. F. Fuck. Alors, je mets, essaie de, tu peux mettre un, tu peux mettre un I ou un O en deuxième lettre. Je peux mettre un I. Et tu mets un R en troisième lettre. C'est fais bon. First. Écris first. À 33 secondes, ma gueule. Ah, celui-là était bien. J'ai écrit. Oh non, un nouveau module. Celui-là, il était chaud. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. On continue, allez. Salut Q. On passe à Something Different. Est-ce que ces câbles semblent différents? Est-ce que cette bombe semble exploser? A mon avis, il va y avoir les câbles à la con. Prépare-toi. C'est parti, 3 modules, 5 minutes. Tu me dis s'il y a des câbles avec des étoiles déjà. Des fils avec des étoiles. Oh shit. Il y a un Simon. Vert. J'arrive. Voyelle ou consonne? Pour le numéro de série. U, ça compte comme une voyelle, non? Oui. Ouais. J'arrive, j'arrive, j'arrive. C'est marqué Bob sinon. Ok, alors le Simon. Donc il y a une voyelle. Ouais. Ok, je t'écoute. Vert. Jaune. Vert. Jaune. Rouge. Le. Bleu. Rouge. Jaune. Vert. J'en suis sûr. C'est bon. Il y a trois câbles. Il y en a un bleu, deux. Enfin, dans l'ordre, deux blancs. C'est les bleu. Câbles qu'on connaît d'habitude. Ouais, ouais. Ok, alors. À propos des câbles. Ah, s'il n'y a pas de fil rouge coupé. Alors, est-ce qu'il y a un fil rouge? Non. Coupe le deuxième fil. C'est sûr. Ouais, c'est bon. Là, il y a des espèces de câbles chelous noirs avec des chiffres reliés à des lettres. Attends, je vais chercher ce que c'est. Ok, genre 1 AB, 1 2. Ouais. Ok, alors ce module contient plusieurs panneaux avec des films. Un seul panneau est visible à la fois. Passez au panneau suivant et utilisez le bouton bas et au panneau précédent en utilisant le bouton haut. Ne passez pas au panneau suivant avant d'être sûr d'avoir coupé tous les fils qui doivent l'être. Ok, alors 1 B, 2 C. Ta gueule. Le premier fil, c'est ça? Ouais. Les gens, c'est foutre rien. Attends, quelle couleur de fil? Noir. Alors, fil noir. 1 B, 2 C, c'est tout. Ouais, ça m'aide pas du tout ce qu'il veut dire. Apparition, premier fil noir, deuxième fil. Il est en quelle position le fil noir?
Premier, deuxième, troisième. Bah, il y a deux fils noirs. Un B et deux C. Oh putain. Il est connecté à quoi le premier fil noir? Mais un B. Donc B. Oui. Et c'est le premier fil noir. Mais oui. Premier fil noir. Coupé s'il est connecté à A, B ou C. Premier fil noir, couple s'il est connecté à A, B ou C. Mais putain, oui, il est connecté à B. Le deuxième est connecté à C. Deuxième fil noir, coupe. Écoute pas ce coupé que si A ou C. Eh, c'est bon. Je passe au suivant. C'est fini? Ouais, c'est bon. Là, il y a. Alors, le premier est un fil bleu, le deux est connecté à B. Ah, mais attends, c'est le même système là? Oui. Ok. Le premier est un fil bleu connecté à B. Alors, tais-toi, stop. Premier fil bleu, couple s'il est connecté à B. Ok. Ok. Le deuxième est un fil rouge. Stop. Connecté à B. Alors, deuxième fil rouge, couple s'il est connecté à B. Deuxième fil rouge, coupé s'il est connecté à B. Fil rouge. Deuxième fil, il est rouge, coupé s'il est connecté à B. Je comprends pas. Bah, c'est marqué. Ton premier était un fil bleu. Oui. Enfin, le quatrième, techniquement. Et tu l'as coupé parce qu'il était connecté à B. Ouais. Le fil rouge, donc c'est le deuxième. Le cinquième, techniquement, ouais. C'est le cinquième? Bah oui. Mais tu m'as pas dit. Bah, ouais, c'est vrai. Bon, bah, du coup, il y a le sixième est connecté à A. Attends, et quelle couleur le sixième? Noir. Ok. Sixième fil noir, couple s'il est connecté à B ou C? Non. Ok. Septième connecté à B, bleu. Alors. Donc il est bleu? Oui. Et c'est le septième. Alors, oui. Septième fil, couple s'il est connecté à C? Non. Ok. 8A, il est bleu. Faut que tu mises la couleur en premier. Bleu. Ok, bleu. Donc le huitième, couple s'il est A ou C? Non. Huitième fil, bleu, couple s'il est connecté à A ou C? Non. C'était pas ça. C'est sûr que c'est le huitième? Ouais, c'était le huitième, ouais. Le neuvième est rouge. Ok, neuvième fil couple s'il est connecté à B. Non. Ensuite, pas de fil 10, numéro 11, rouge, B. Rouge? Oui, dépêche-toi, c'est bientôt fini. Neuvième, couple s'il est à B. 11. Neuvième fil rouge, B. 11. Neuvième, 11, mais je l'ai pas, enculé. Vite! 11. J'ai pas de 11. J'ai pas de 11. Il s'arrête à 9! Il s'arrête à 9! Regarde le tableau, il a pas plus bas! T'as le droit de regarder alors! Regarde! 9ème fil rouge à rien! Ah, mais c'est peut-être le nombre de fils, pas la position! C'est peut-être ça en fait, c'est le nombre de fils! T'es mort! Ah merde! Bon, allez, c'est parti! Des câbles normaux! Ouais. Il y a un rouge, il y a un jaune. Non, dis-moi juste le nombre, c'est tout. Toujours 4, à chaque fois. 4, pardon. Pas de soucis, c'est vraiment une merde. Dit-il quoi. Allez, écoute ton cul. Après, il y a tes fils préférés avec des étoiles. Ok, oh non. Allez, alors, 4 fils. Est-ce que t'as un fil rouge? Oui. Est-ce que t'en as 2? Non. Ok. Est-ce que ton dernier fil est jaune? Non. Est-ce que tu as un fil bleu? Non. Est-ce que tu as plusieurs fils jaunes? Non. Coupe le deuxième fil. Ok, il y a les chiffres à la con là. 2. Le memory, ok. Hop, 2 secondes, j'arrive. Ok. Deuxième position. 1. Ok. 2. Même position qu'à l'étape 1. 4. Donc, attends. 1. Attends, je suis perdu. C'était 4 pour le chiffre d'avant? Oui. Ok, 4. Un. Donc là, c'est un 1. Appuyez sur le bouton, il y a le même chiffre que l'étape 2, donc 4 à nouveau. Ok, c'est la quatrième position. Ouais. 2. Bouton en première position. 1. Ok. Dernier. 3. Même chiffre que l'étape 1. 1. Ouais, chiffre 1. C'est bon. Attends, j'éteins cette putain d'alarme de merde, c'est insupportable. Ouais, on arrive à la fête là, il y a des câbles de toutes les couleurs. Avec les étoiles? Des étoiles, ouais. Ok, j'arrive. Et des boutons en haut, ça, je comprends rien. Ouais. Allez vite. Hop. PDF de merde. Non. C'est compliqué hein, quand on n'a pas le papier. Oh putain. Molette, Nidhi. Putain. Je veux. Ah, ok. Alors, regardez chaque fil. Il y a une LED au-dessus du fil et un espace pour un symbole étoile au-dessous. Pour chaque combinaison fil, LED, symbole, utilisez le diagramme de Venn ci-dessous pour déterminer si le fil doit être coupé ou pas. Chaque fil peut être à rayures ou avec plusieurs couleurs. D'accord. Donc, la première, c'est éteint
Et il y a une étoile. Et elle est blanche et bleue. Attends. Le fil est au moins partiellement rouge. Ouais. Allez. Alors, dis-moi. Alors, il y a une LED au-dessus du fil. Alors, le premier truc, ouais. Quelle couleur? Il a pas de LED. Déjà. Et il est blanc et bleu. C'est et il y a une étoile. Dis-moi ce que je dois te dire en fait, s'il y a des trucs. Oui, non, mais je sais ce que tu dois me dire, mais pour l'instant, je sais pas ce qu'on doit faire. Un projet comme une fille, c'est de dire, mais pour déterminer, c'est de découper ou pas. Chaque fil peut être arrivé avec. Va te faire foutre, hein, ouais, bon, qui ça. Le fil est au moins partiellement rouge, le fil est au moins partiellement bleu, le symbole me présent, la LED est allumée. Ok, le premier truc. Est-ce que le fil est rouge? Non. Est-ce que le fil est bleu? Ah, il y a du bleu. Ok, partiellement bleu, donc c'est une ligne continue. Non. Non mais c'est pour moi en fait. C'est pour moi et je ne sais pas du tout lire ça. Chaque fil peut être à rayures avec plusieurs couleurs. Ouais mais je m'en prends. Est-ce que la LED doit être allumée ou pas? Ok, attends, alors ensuite S. Est-ce que le symbole est présent? Oui. Le symbole est présent. Oui. Ok. Donc PDSP, ok. Ensuite, la LED est allumée? Non. Ok. Alors. D, on va dire que tu ne coupes pas le fil. Ok, d'accord. LED allumée, blanc. Attends. Symbole. Alors, LED allumée, blanc, symbole, ok. Donc, LED allumée, symbole, ok. Donc, clac, clac. Je déteste, ça me donne envie de vomir ce truc. J'ai envie de dire que t'as rien coupé. Dépêche-toi, Eric. Le symbole est présent, la LED est allumée. Ok. Donc ça veut dire qu'il se trouve forcément dans cette zone-là. DPPB. Donc alors, DPPB, coupez le fil s'il a. Coupe le fil si. T'as un port parallèle? Quoi? Coupez la fil si la bombe a un port parallèle. Je sais pas ce que c'est qu'un port parallèle. Ok. Coupez le fil si la bombe a deux piles ou plus. Deux fils ou plus. Je sais pas ce que. Je sais pas ce que c'est un port parallèle. Couper le fil si la bombe a un port parallèle. Je sais pas. Donc non. Ensuite, LED allumée. Attends, se référer à l'appendice C. Ah bah dis-moi ce que c'est du coup. Elle est où l'appendice C? Le fils de pute! Ah! Mais non, mais c'est pas possible. Allez, je tente au hasard. Non. Identification des ports. T'as. Je fais totalement au hasard, j'ai réussi quoi! C'est une horreur. Parce qu'en fait, je dois aller aux appendices et je dois descendre et tout, c'est vraiment une cloche. J'ai vraiment fait le coup au pif, mais ça marche! T'as démarché, c'est bon, ça a marché? Ça a marché, ouais, mais pas grâce à moi, hein, pas grâce à toi. Là, c'était technique du suicidaire, t'es. Ça fait combien de câbles? 6. Faut que t'apprennes à lire le truc. Il me renvoie à des appendices en dessous du bouquin après. Hein. Ouais, c'est pas mal. Ah, mais c'est chiant. Pourquoi on a fait ce métier? On a fait ce métier. Non, pourquoi moi j'ai fait ce métier avec toi? D'accord, c'est ça un port parallèle. Montre-moi les ports, explique-les-moi un peu. Parce que je sais pas ce que c'est. Bah, port DVI, parallèle, PS, NG, serial, stéréo. Ah, d'accord, ah ouais, ça va être de la merde ça. Bon, allez, One Giant Leap. 60% of the time, this bomb explodes every time. Ça, c'est une bonne référence à Anchorman. Donc 4 modules, 5 bombes. Allez, 5 minutes, c'est parti. 5 bombes. 5 modules. Ça, tu les balances quoi. Oh la vache. Ça a l'air carrément plus simple à imprimer. Oui, mais on ne pouvait pas. Alors, tac tac tac. Ok, il y a tes câbles préférés. Du coup, combien LED allumée. Attends, combien... bleu et rouge. Ah non, c'est les merdes là. Bleu, LED allumée, bleu et rouge, pas de symbole. Ok. Non, tu t'es. Bleu et rouge. Ouais. Bleu et rouge et quoi? Pas de symbole, LED allumée. Ok. Alors, ça veut dire la ligne, ça. Donc ça veut dire que c'est cet espace ici. Il stresse ma gueule. Ok, symbole, il est là ou pas? Non. Okay. Écoute ce que je dis. Oui, mais d'abord, je dois vérifier chaque putain c'est d'information. Pas mon problème, tu dois écouter ce que je dis. La LED est allumée. Oui. Ok, ne coupe pas le fil. D'accord, LED éteinte, blanc, pas de symbole. LED éteinte, blanc, pas de symbole. Tout à fait, c'est Eric ma seule faiblesse.
blanc, pas de blanc symbole, LED éteinte. Oh la purge quoi. Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce qui marche pas? Regarde cette merde et tu verras. Mais ça a l'air super simple. Ouais t'as raison ouais. En vrai en plus putain, ce genre de truc est super lisible. Redis-moi encore. Blanc. Pas de symbole, pas de LED. Moi je dirais qu'il faut la couper. Ouais coupe-y, on s'en fout. Oui. C'est foutre, ouais. Faut, apparemment ça fait rien de mal, donc oui. Pas de LED, bleu et rouge et un symbole. Ok, bleu et rouge, alors bip bip. Alors bleu et rouge, c'est bon, j'ai ça. Ensuite, symbole ou pas? Oui. Ah mais faut que je vérifie chaque truc à chaque fois, donc c'est chiant. Donc le symbole est là. Ok, la LED est allumée? Non. Pas de symbole, alors, clac. Pas de symbole. Pas de symbole, et la LED est allumée. Donc ça veut dire tout ça en même temps, donc S. Coupez le fil si le dernier chiffre du numéro de série est pair. Il est pair. Il est pair. T'as dit de la merde. Pas de LED, bleu et blanc, pas de symbole. Bleu et blanc, ok, donc blanc. Voilà, c'est mort à mon avis, mais bon, pas grave. Blanc, pas de symbole. Pas de symbole, ok. Et dis-moi la LED, s'il te plaît. Elle est éteinte. Ok, éteinte. Donc c'est pas le gros, c'est pas celui-là. Et c'est pas celui-là, donc c'est le S. Au moins bleu, donc hop, donc S. Coupez le fil si le dernier chiffre du numéro de série est pair. Il est pair. C'est bon. Rouge, pas de LED, symbole. Rouge, pas de LED, symbole. Rouge, pas de LED, symbole. Mais juste dead, hein. Toi, t'es dead, toi. Rouge, rouge, pas de LED. Pas de, rouge, pas de LED, symbole. C'est... Coupez le fil. Ok, LED, bleu et blanc. Stop. Symbole. Blanc. Le blanc, alors bleu et LED, donc alors continuez gros. Continuez gros. Ouais, continuez gros. Donc blanc et LED, ok. Blanc et bleu et LED et... Et symbole. Et la totale, c'est ça? Ouais. À mon avis, il faut le couper du coup. Non. Du coup, je vais couper celui-là, voilà, c'est bon. Fallait couper le premier du coup. Du coup, laisse tomber, on n'aura pas le temps, mais c'est pas grave. premier câble. Attends, c'est quoi que tu me parles? C'est encore la même merde? Ah merde, j'avais passé le truc, j'ai pas fait gaffe. C'était un peu bête. Allez, bon. Je sais pas si on arrivera plus loin. Putain, j'aime pas le diagramme à la con là. C'est parti, labyrinthe. Ok, okay le premier cercle. Le premier cercle, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 3 et 5. Donc je présume que le premier est sur la première ligne. Lui, première ligne. Avant-dernier. Cinquième. Enfin, okay. Cinquième, non, ouais. Oui, avant-dernier. Ok, ça marche. Où est ton triangle? Mon triangle est juste en dessous du premier que je t'ai dit. Donc, donc 3, 3, 6. 6. Ok, ça marche. Toi, t'es où? Moi, je suis en 6, 3. Ok, donc t'es là. Sérieusement, t'es là. Remonte tout en haut. Ok. Un coup à gauche. Ouais. Un coup en bas. Ouais. Un coup à gauche. Ouais. Tout en bas. Et rejoins. Ok, c'est bon. Le mot de passe là. Oh, le J. Ok, attends, bouge pas. Oh, merde, il y a encore alors, un symbole. T'as pas de J. Q. T'as pas de Q. H. T'as pas de H. O. Essaie de mettre un T en deuxième. Je veux pas. Ok, repasse à la première, après le O. C. C. Change. Mets un O en deuxième. Tu peux pas, tu peux pas, t'as pas pu le faire avant. Si, je peux. Ok. Cooled. Could you. Cooled. Tu veux ou pas? C'est bon, putain. Il y a un bouton jaune avec marqué abort. Juste un bouton? Oui. J'arrive.
Et après, on repasse au câble avec les symboles. Ok, bouton jaune, alors. Avec bouton marqué jaune. À bord. C'est, detonate, blanc, ok. Et bouton est jaune. Maintenez-le enfoncé. Jaune. Chiffre 5. Relâche quand il est à 5. C'est bon. Okay. Les symboles, alors, pas de LED, bleu et, blanc et rouge, pas de symbole. Ok. Alors, hop. LED allumé, pas de symbole, quelle couleur? Pas de LED. Pas de LED, pas de symbole? Oui. Quelle couleur? Blanc et rouge. Putain, juste rouge. Donc ça veut dire juste là. Donc ça veut dire S. Donc coupez le fil si le dernier chiffre du numéro de série pair. Il est pair. Coupe-le. C'est bon. C'est bon, LED, blanc, pas de symbole. LED blanc, pas de symbole. Donc LED blanc, LED allumé, pas de symbole. Donc alors juste ça. Donc ça exclut tout le reste. Donc ça veut dire D. Donc ne coupez pas le fil. Ok. LED blanc et bleu, pas de symbole. Alors donc du coup LED et bleu. Donc alors la, le bleu, la, le bleu et la LED. Donc S. Donc les deux ensemble. S ou P. Coupez le fil si le dernier chiffre est pair. Oui. Non. Pas de LED, rouge, symbole. Pas de LED, rouge, symbole. Pas de LED. Rouge, symbole. Donc ça veut dire C, petit C, coupez le fil. Ok. Et dernier, pas de LED, rouge et blanc, pas de symbole. Ok, donc LED, pas de symbole, mais du coup rouge, c'est ça? Rouge et LED. Blanc. Rouge et LED. Rouge et blanc, pas de LED. Rouge et blanc, mais symbole. Oui. Symbole et non, rouge. Non, pas de symbole. T'écoutes pas ce que je te dis en fait. Faut que je me concentre, putain. Bah oui, faut que tu te concentres. LED et rouge. Y'a pas de LED. Et j'ai dit blanc et rouge. Mais pas de symbole. Pas de symbole, pas de LED. Donc juste rouge. Donc S, donc couper le fil si le dernier chiffre est pair. C'est bon. On a déjà marché? Ouais. Je déteste. Franchement, faut que tu apprennes celui-là. Je déteste celui-là. Bah ouais, je vois bien. Concentre-toi quand je fais les trucs, limite note-les quoi. C'est pas la question. Normalement, tu devrais toutes les donner et tu les notes, c'est bon. T'as plus besoin de moi. On va faire ça maintenant. S'il y a ça, je te les donne tous. LED, machin, couleur, machin, tu les notes et tu les trouves par toi-même et moi je fais les autres. En attendant. Quels autres? Bah ceux que je peux faire tout ça, bien sûr. Commence par le Simon, si un Simon. Non, enfin non. Il y a un truc là avec des ondes, des méga, des hertz, des... c'est du morse, c'est du putain de morse. Ok, j'arrive. De toute façon, on va le foirer, on foire toujours le premier. Oh non, ça va être horrible, morse. Alors. Ah, je suis vraiment mauvais. Oh non. Oh oui. Ok, alors. C'est parti! Interprétez le signal de l'ampoule qui clignote en utilisant le tableau de décollage morse pour répéter un mot du tableau sur la droite. Ok? Le signal se répète indéfiniment, chaque répétition étant espacée par une longue pause. Lorsque le mot est identifié, réglez la puissance correspondante et appuyez sur le bouton de transmission. Ok. Allez, c'est parti, t'es prêt? Ouais. J'attends la longue pause. C'est parti. Long, court, court, court. Attends, long. Court, court, court. Court. Court, long, court, 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 court. Long. Pardon. Alors, j'ai la première. Laisse tomber, attends. On va recommencer, t'es prêt? Tu le notes, hein. J'ai la première. Prépare-toi. Long, court, court. Ouais. Court. Ouais. Court, court, long, pardon. Quoi? Court. C'était court, long, court. Court, court, long. Long, court, court. Long. Ah non, long, court, long. Ouais. Ouais, mais c'est pas possible, il manque une lettre, je crois. On la refait s'il te plaît? Va falloir attendre, ma gueule. Parce que je sais pas en fait quand tu t'arrêtes au niveau des mots, dis-moi terminé autrement. Ah, c'est chaud, mais je vais essayer. Je vais essayer. C'est parti, ouais. Attention. Long, court, court, court. Terminé. C'est bon. Court, long, court. C'est bon. Terminé. Court, terminé. Court, long, terminé. Long, court, long, terminé. Ok. Horrible. Alors, c'est je parti. Je pourrais pas faire bip 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 plutôt. Ce serait plus simple, non? Peut-être, ouais. Alors, ça c'est bon. Donc, on commence par un B.
Ensuite, retrouve, ouais, ok. Ensuite, un seul truc, donc c'est ça, donc break, peut-être. Donc, alors, tu vas régler la fréquence sur 3,572 MHz. Trop bien, j'adore. C'est bon, ok, labyrinthe. Moi, je suis en 1-1, alors c'est, attends, c'est... C'est le 1-1 ou pas? Ouais, attends. C'est 1... c'est... Attends, je commence par la largeur, on est bien d'accord. Ouais, donc, c'est 4-1. Attends. 4-1, et ensuite c'est... Non, mais t'as toujours fait la colonne en premier. Bah oui, c'est ça. Ils sont tous sur la première... Il y a 1 sur la première colonne, ensuite c'est 4-1, et ensuite c'est 3-4. 1, attends. Je préfère quand tu me dis colonne, chiffre, genre colonne 1. Ouais, mais c'est vachement plus long et je vois plus. Ah, là, mais là on perd du temps du coup. Là, du coup, c'est premier, c'est quatrième colonne, première ligne. Ok, c'est bon. Et l'autre? Et l'autre, c'est 1-1. Troisième colonne, quatrième ligne. Troisième colonne, quatrième ligne. On est mort, les gens. Ouais. Parce que là, en fait, je l'ai perdu. T'as changé ton truc de. Redis-moi tout, s'il te plaît. Du coup. Première ligne, quatrième colonne. Alors, première ligne, quatrième colonne, ouais. Et l'autre ligne, troisième colonne. Troisième ligne, quatrième colonne, ouais. Ok, donc je l'ai. Où est ton triangle, s'il te plaît? Juste au-dessus du deuxième que je t'ai donné. Donc 3-3. Ok, 3-3. Toi, t'es où? 1-1. Ok, va. Putain, c'est quoi le chemin le plus court? Là, on va pas bien. Descends en bas d'un cran. Ouais. À droite. Ouais. En haut. Ouais. Droite. Ouais. Droite. Ouais. Bas. Ouais. Droite. Ouais. Haut. Ouais. Droite. Ouais. Bas. Ouais. Bas. Ouais. Bas. Ouais. Gauche. Ouais. Haut. Ouais. Gauche. Ouais, c'est bon. On n'y arrivera jamais. Il y a un bouton hold bleu. Laisse tomber, on est mort. Hein. Vas-y, on essaye quand même. Bouton hold bleu. Ouais. Alors, le bouton est bleu, marqué à bord, on s'en branle. Hold bleu. All bleu, jaune, hop, ok, relâche un bouton enfoncé. Donc vas-y, tiens-le, et tu me dis s'il arrive. Rouge. Hop, putain, relâchez lorsque le 1. Ça va être très long, on va perdre beaucoup de temps. Non. Putain, on va faire enculer. Sérieux? Oui, all de bleu. De pile et qu'il y a un indicateur allumé avec la mention FR. T'as la mention FRK quelque part? Oui. Là, il y a plus de. Oui. Allez, on recommence. C'est trop bien le mode morse. C'est énorme. Vraiment. Allez, c'est parti. Il y a un Simon. Allez, on commence par le Simon. Ouais, parce que c'est plus facile. Ok, je t'écoute pour le Simon. Vert. Jaune. C'est de la merde, y'a pas d'autre truc à vérifier en. Pas de faute, t'as dit vert, j'ai dit jaune. Non, vérifie s'il y a pas un autre truc, à chaque fois tu me demandes un autre truc. Voyelle ou machin. Eh ben voilà, bravo, y'a pas de voyelle. Ok, donc, vert. Oui. Donc jaune. Non. Bah pourquoi ça marche alors que... Parce qu'on a fait une faute. Vert. Maintenant c'est vert. Oui. À nouveau jaune. Rouge. Rouge. Vert. Jaune. Vert. Jaune. Ok. Oh putain, il y a les trucs de symboles. Et il y a le morse. Et putain, allez, on fait le morse parce que c'est fort. Allez, parce qu'il faut sortir pour le morse. Attends, bouge pas. Non, non, parce que non, j'ai pas le diagramme. Bah oui, mais il faut que tu notes. Vas-y, je t'écoute. Ah, mais c'est trop tard. Maintenant, quand c'est comme ça, note-le. On d'accord. S'en fout en fait du truc. Court, 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 stop. Court. 1, 2, 3. Ça, c'était le dernier. Okay. Court, long, court, court. Court, stop. Long, court, stop. Court, long, stop. Long, court, stop. Long, stop. Court, court, stop. Okay, c'était le dernier. Alors, sbru. Bon, hop, L. Ensuite, point. C'est le E. Ensuite, clac, clac. C'est le A, donc ça doit être learn, je pense.
Léa, learn, il doit y avoir un learn qui traîne. Trop long, Eric. Leaks, ok, learn. 3542. C'est bon. Symbole, infogramme, c'est à l'envers. Attends. Miroir. Hop, hop. Alors, infogramme. Infogramme, il est où? J'en ai un là. Infogramme, ouais, c'est à l'envers, miroir. Ok. Donc, si tu l'as, le E avec le. Ouais. Le chelou. Ensuite. Raquette de tennis ou miroir. Ouais. C'est à l'envers. Ouais. Infogramme. Ok. Les chiffres à la con, là, memory. 1. Ok, j'écoute. Donc, t'as 1. Ouais. Appuie sur le bouton en deuxième position. 4. Ok, 4. 2. La même position qu'à l'étape 1, donc 4 à nouveau, le chiffre 4. 4, du coup c'était 4, en deuxième position. 1. Même chiffre. 4 à nouveau, le chiffre 4. Il est en première position. 3. Le chiffre 4 à nouveau. Il est en troisième position. Ça va être à nouveau. Non, ça, c'était faux. On va te faire foutre, sérieux. 1. 1. Le bouton en quatrième position. 4. De la merde en fait, à chaque fois on foire à cause de toi. Non, c'est toi qui a des mains qui tremblent. Pas du tout. Allez, on se refait, c'est parti. Allez, on commence par tes chiffres de merde, tes câbles de merde, mais t'y arrives pas. Pas de LED, blanc, symbole. Hop. Pas de LED, blanc, symbole. Donc symbole, juste symbole en fait du coup. Donc juste symbole. Putain, blanc, symbole, pas de LED. Ok. Donc D, donc ça veut dire ne coupez pas le câble. Pas de LED, rouge et bleu, symbole. Rouge et bleu, symbole. Rouge et bleu, tu symbole. Mets plus de 20 secondes à chaque fois à trouver. Ah mais en même temps je déteste ce truc. Donc ça doit être D, parce que ne coupez pas le câble. Pas de LED, rouge, pas de symbole. Pas de LED, pas de symbole rouge, donc c'est forcément S. Donc, coupez le fil si le dernier chiffre du numéro de série est pair. Coupe-le si ton numéro de série ouais. est pair. Ok. La même chose, je coupe. Ok, c'est pas bon, il manque quelque chose, il faut que je coupe un autre câble. Ouais, redis-moi le truc encore. Blanc, pas de LED, symbole. Blanc, pas de LED, symbole. Blanc et symbole, mais s'il est symbole, ça veut dire qu'il est là. Mais c'est marqué, ne peut pas le câble, c'est la seule truc qui... Blanc, symbole, pas de LED. Couper le fil. Voilà. Les chiffres là, 2. Memory, c'est ça? Oui. Hop. Il n'y a pas d'autre truc avec des chiffres. Hop. Hop. Putain. Donc, si l'écran affiche 2, deuxième position. 4. Ouais. 4. Hop. 4. Même position qu'à l'étape 1, donc 4 à nouveau. Quoi ? Le quatrième ? Chiffre 4. Tu dis de la merde ? Même position. Bah. Même position. Même position, vas-y. Même position. C'était quoi alors la position ? Bah t'as appuyé sur le chiffre 4 avant. Donc c'est la quatrième position, non? Non, le chiffre, ils sont jamais à la même position, c'est pour ça que je te donne les positions. Ah, je l'ai pas. C'est pas ça, donc c'est bien ce que je disais. Faut que tu suives vraiment, là c'est 4. S'il a appuyé sur le bouton en quatrième position. C'est quatrième position, c'est le 4. C'est pour ça qu'il faut que tu notes tout. 1. Pourtant le chiffre 4. Donc c'est en quatrième position, 4. 3. Appuyez sur le bouton en troisième position. 1. Ouais. 3. Même position qu'à l'étape 2, 4. Quatrième position? Non, chiffre 4. Mais c'est pas possible, tu sais pas où il est. Le même position. 4. Position, Eric. Ah mais je l'ai pas. Mais oui, mais je te l'ai dit pas! Arrivé! On va te faire foutre! Bah, je viens de te le dire à l'instant!
Je viens de te dire, je sais, mais je suis pas arrivé, c'est tout. Bah oui, mais je te dis les positions, dis les, note-les, c'est tout. J'ai tué ta mère. Alors, 1. Bouton en deuxième position. Donc deuxième position, 1. Attends, bouton en deuxième position, donc c'est 1 et 1. C'est la position, ça c'est le chiffre. Donc là t'as le chiffre 1. Donc bouton portant le chiffre 4. Troisième position, 4. Putain, j'arrive pas. Mais c'est ça. Oui, mais je sais, mais tu me stresses, putain de merde. Attends, on va faire exploser la bombe, voilà. D'habitude, on y arrivait avant, ce truc de merde. Mais c'est parce que t'es... là, maintenant, il y a des positions. Mais tu les notais pas. Alors, c'est simple, note la position, un slash et le chiffre. Respecte tout le temps le même code. T'as qu'à marquer P slash C et tu mets tout le temps position, chiffre. C'est plus simple. Parce que sinon, après, évidemment, on peut pas y arriver. Frappez-vous, c'est une bonne idée, mais... Y a pas de truc comme ça. Symbole. 6, alter, trident, à l'envers. Hop, ouais, putain, vas-y, pas de souris en plus. Putain, tellement bien. Refais-le, s'il te plaît. 6, alter, trident, à l'envers. Ok, bah 6, okay. À l'envers, ouais. Alter, trident. Ok, c'est marqué yes. Et en dessous, il y a 6 mots. Ready, wait, blank, yes, middle, left. C'est bien. Un nouveau truc. Ouais. Je le cherche. On en a démorcé plein, là. C'est juste un niveau avancé. Condensateur à air, c'est pas ça. Ouais, mais non. Et c'est ça qui est drôle. Je ne sais pas qui a fait le commentaire. Putain! J'arrive pas à trouver le truc avec les yes et les machins. C'est marqué yes sur un écran. En dessous, il y a 6 boutons avec des mots. Des yeux et des trucs? Des yeux, j'en sais rien. Ouais, ok. Alors, lisez le mot affiché et utilisez l'étape 1 pour déterminer quelle étiquette lire. Donc t'es à yes, c'est ça? Yes! Donc dire doit avoir le nom. En fonction du mot affiché, lisez l'étiquette du bouton correspondant et passez à l'étape 2. Donc si j'ai le yes, ça veut dire que j'ai le no. Donc ça veut dire que le no, il est... Oh non, en utilisant l'étiquette de l'étape 1 pour sélectionner la ligne dans le tableau ci-dessous, appuyez sur le premier bouton dont l'étiquette apparaît dans la ligne correspondante. Yes. J'ai rien compris. En utilisant l'étiquette de l'étape 1. Ok, donc toi t'as yes. Ouais. Et j'ai un tableau avec en gros dans la première colonne, la deuxième ligne, un truc. Première colonne, deuxième ligne. Voilà, le yes il est là. T'es sûr que c'était la première colonne et la deuxième ligne? En fonction du mot affiché, lisez l'étiquette du bouton correspondant et passez l'étape 2. C'était. T'as dit yes. Oui. C'était ouais. Bien première colonne, deuxième ligne. Première colonne. Première colonne. On s'est marqué you maintenant. Ok. Donc alors le you il se trouve dans la deuxième colonne, deuxième ligne. Milieu à droite quoi. Non. Lisez le mot affiché et utilisez l'étape 1 pour déterminer quelle étiquette lire. Marqué ok. Lisez le mot affiché, ok. Et utilisez l'étape 1 pour déterminer quelle étiquette lire. Ouais bah va te faire foutre quoi. Ah, mais tu veux que je te lise l'étiquette, pas que je clique dessus. Là, t'as quoi, là? Ok. Bah, moi, j'ai... Ok, j'ai tout en haut à droite. What? Ok. En suivant l'étiquette de l'étape 1 pour essayer de gagner la ligne, appuyez sur le premier bouton dont l'étiquette apparaît dans la liste correspondante. Du coup, what? What, j'ai eu... Ok, ça marche. On commence. Si... tout en bas à droite. Uhu. Et je te lis le premier mot, ok. Bah ready. Quoi? Ready? Y'a pas. Uhu. Pas uhu, mais appuyez sur le premier bouton, ok, d'accord. Donc c'était uhu, donc nothing.
Non, tu l'as pas? Non. Left? Non. What? Ouais. Non. Tu ne l'as pas compris. Il parle d'étape 1 depuis tout à l'heure qu'on est. Oui, mais non, parce qu'il y a 4 étapes de... sur la droite, c'est ça le problème. Faut que tu redresses ton écran, Eric, on voit plus du tout qui t'es. Où est la caméra? Hop! Lisez le mot affiché et utilisez l'étape 1 pour déterminer quelle étiquette lire. Avec le mot de cette étiquette, utilisez l'étape 2 pour déterminer sur quel bouton appuyer. En fonction du mode affiché, lisez l'étiquette. Et passez l'étape 2. Ok. Putain, c'est trop relou ton assemblé en plus. Putain, tu peux aller jusqu'à 11 modules. Jax va faire gagner un jeu, attention. Putain, il y a des trucs qu'on n'a pas encore fait quoi. Et ben, moi je trouve ce jeu en tout cas très cool. On va arrêter ici parce que ça fait déjà 1h30. Ouais. Mais on vous propose un Globi Aurore tout à l'heure sur Wick. Certainement à 23h30. Mais en tout cas, le. Comment ça s'appelle? Le jeu est vraiment cool. Il y a plein de modules qu'on n'a pas fait. De quoi? Plein de modules qu'on n'a pas fait. Ah bah oui, là, regarde, on est à la section... On a quand même fait la moitié de la section 3, en gros, hein, sur 6 sections. Je trouve ça... En gros, on est à la moitié du jeu. Bon, après, en vrai, non, parce que si tu regardes, après, c'est extrême, et challenging, et needy. Donc là, on était au niveau modéré, donc c'est un peu normal qu'on galère, dans le sens qu'on n'a pas... c'est la première fois qu'on joue. Donc c'est plutôt cool. Donc je vous dis à tout à l'heure pour du coup le truc. Mais par contre, ça serait cool effectivement de le faire une prochaine fois avec le vrai manuel imprimé et changer les places. Là le problème c'est que changer la place maintenant, ça veut dire qu'il faut recommencer le live en fait pour se réhabituer au truc. Mais c'est cool en tout cas. Du coup, je suis bien content d'avoir le métier que j'ai. C'est triste d'être 4 d'acheter Sonic CD sur Steam. Vraiment. Du coup, je vous dis à tout à l'heure, 23h30 pour un Globi Aurore sur Wick. Et je serai très fatigué. Ça va être plutôt pas mal. A bientôt. A bientôt, bisous bisous. Bisous partout. Et essayez de choisir des collègues. Des bons collègues, si vous voulez désamorcer une bombe. Et faites en sorte qu'ils connaissent le guide avant. Et que vous connaissiez les modules avant. Je pense que c'est le mieux. Sinon, c'est pas une bonne idée, je pense. Qu'en penses-tu, Eric? Non, je vois pas de quoi tu parles. Moi, je me sentais super efficace et tout. Comment tu peux m'envoyer ton jeu? Eh bien, c'est simple, Pipix. Tu vois, en dessous, il y a une adresse mail qui s'appelle globtopus@gmail.com. Et voilà, c'est facile à trouver. Pourquoi il y a mon nom partout sur le chat? Parce qu'il y a eu un concours, c'était qui est celui qui lit la doc. Voilà. RuneRird, n'hésite pas à le poster sur le chat et à me l'envoyer par mail. Et puis de toute façon, au pire, tu pourras le mettre tout à l'heure, à 23h30. The Wheat House, je ne connais pas. Donc pourquoi pas, je regarde. Ah, mais c'est un jeu, ouais. Ouais, pourquoi pas, faudrait que je vois, peut-être. Ça peut être sympa. C'était crevant. Tu as vu le deuxième. J'ai vu celui où je fais notre vie ne peut pas être ensemble, je n'arrive pas, on a une bombe à désamorcer ou je sais pas quoi. C'était ça, oui, je l'ai vu. Et j'ai vu celui sur Simon. Moi, j'ai rien vu du tout. Oui, celui-là, je l'ai vu. Eric, nous ne pouvons plus désamorcer ensemble, j'ai pris un dé pour te remplacer. 4. C'est vrai que ça marchait mieux. Je vais couper celui-là. Ça a vraiment bien marché. Je veux dire, c'est la fois où ça a mieux marché pour cette énigme, quand même. Ce qui est quand même triste. Et bien, du coup, à tout à l'heure pour un Globi Aurore. Bisous, bisous, bisous partout. Et je vous dis à tout un 23h30. Ouais. Week. Ça me va. Et Eric explosera, mais littéralement et en vrai. Youpi!
Alors oui, hein, on est bien dans la même pièce pour ceux qui n'avaient pas compris. Et pourquoi c'est triste d'acheter Sonic CD sur Steam ? Eh bien parce qu'en fait, vous allez avoir accès à un émulateur. Donc autant, enfin genre, prendre l'émulateur et pas payer le jeu 5 balles, quoi. Enfin, je sais pas. Non. Je pense que c'est mieux. Bref, à tout à l'heure. Bisous, bisous. Bisous partout. Et ouais, Eric a quelque chose à vous dire. Je ne peux plus jamais jouer à un jeu. Tu vas y jouer, Eric. Non ! Si ! Non ! Aïe ! J'ai vraiment fait mal à la main. Sur ton visage.